Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi 20 juillet 2020, 22h34, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal, Madame la Marquise, et ça va aller de plus en plus mal. Au niveau financier, économique, c'est l'hécatombe qui attend la population mondiale. Les entreprises tombent comme des mouches. J'ai parlé avec quelqu'un qui a un bureau de syndic de faillite à Laval et il m'a raconté qu'il voyait une dizaine de cas par jour qui venaient se présenter à son bureau pour déclarer faillite, de petites entreprises, de petits restaurants, de petits commerçants. C'est vraiment, là je vous parle juste du Québec, je vous parle de Laval. Ça va être immense, ce qui va se passer, ça va être immense. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'était un peu inévitable. Notre mode de vie, le système dans lequel on vit, repose sur une seule et unique chose, la consommation. Rien d'autre. Le développement économique, pseudo-développement économique, s'est fait vraiment que sur une consommation effrénée, qui a été possible seulement et uniquement par le crédit. Sans le crédit, la majorité des commerces qui existent aujourd'hui n'auraient jamais existé. Parce que s'il fallait que la population n'achète que ce qu'elle est capable de payer comptant, ce qu'elle a entre les mains, la majorité des restaurants, des boutiques, prenez juste l'industrie automobile, s'il fallait qu'on paye une voiture comptant, il n'y a personne qui aurait ou presque une voiture. Même chose pour plein d'autres aspects de notre vie qui tournent autour de la consommation. Si le crédit n'était pas là, si les cartes de crédit n'étaient pas là, si les marges de crédit n'étaient pas là, si les prêts personnels n'étaient pas là, il n'y aurait pas d'économie dans laquelle on vit, puis on serait probablement mieux, on serait libre. On nous a rendus dépendants, on nous a rendus esclaves de ce mode de consommation-là avec le piège du crédit. Donc, s'il fallait qu'on paye ce qu'on veut avoir cash, il n'y a pas grand-chose qui existerait, ces commerces-là n'existeraient pas. Donc, la majorité des commerces, la majorité des restaurants, la majorité des boutiques n'existent que par le support du crédit. Donc, c'était inévitable que tout ça s'effondre. Et là, ça commence à s'effondrer. Pensez deux secondes au fait que ces entreprises-là offrent du crédit avec de l'argent qui n'existe pas et qu'elles osent faire des profits incroyables sur quelque chose qui n'existe pas en faisant payer des intérêts à ceux qui s'endettent avec de l'argent qui n'existe pas pour acheter des produits dont ils n'ont pas besoin pour la plupart du temps et qui ont fait que le système dans lequel on vit s'est corrompu de plus en plus. Le système de consommation, le pseudo-système capitaliste, ou le système issu de l'industrialisation. Pensez-y deux secondes. Il n'y en aurait pas. On serait libre. On n'achèterait que ce qu'on peut acheter, puis la plupart des choses n'existeraient pas parce qu'on n'aurait pas développé. On n'aurait pas exploité la terre. On n'aurait pas exploité les humains dans le seul but d'enrichir les riches. C'est fascinant, tout ça. Tout ça à partir d'une idée qu'on appelle le crédit, de ces entreprises privées qui ont rendu accessible quelque chose qui n'existe pas et de s'enrichir avec ça d'une façon éhontée pour faire marcher une machine globale de consommation. Pensez à nos gouvernements qui ont permis aux entreprises privées, les banques privées, de financer le gouvernement et d'imposer des taux d'intérêt payés par les populations. Un autre boulet. C'est complètement immoral, insensé. On pourrait changer le sort de l'humanité en un clin d'œil si les gouvernements imprimaient leur propre monnaie. Comment se fait-il qu'on ait laissé entre les mains d'individus douteux les banques privées? On leur a laissé entre les mains le pouvoir d'imprimer de l'argent, l'argent qu'on utilise, de le prêter au gouvernement et de s'enrichir avec ça en chargeant des intérêts au gouvernement qui refile la facture à ses payeurs de taxes, alors que les gouvernements ont le pouvoir de tout faire. Comment se fait-il que nos gouvernements n'ont pas imprimé leur propre argent sans intérêt, ce qui sortirait beaucoup de monde de la misère? Comment se fait-il qu'on ait laissé entre les mains d'individus vraiment, vraiment crapuleux, le pouvoir de créer de l'argent et même de
de prétendre qu'on a créé de l'argent avec le crédit et de s'enrichir avec ça et d'appauvrir et de rendre esclave et d'emprisonner le monde et les populations pendant des années et des années avec une illusion de richesse. Et l'illusion du bonheur qui passe par la consommation, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vraiment, vraiment... C'est tellement élémentaire. Je ne comprends même pas que ça fonctionne encore en 2020. Ce racket incroyable qui est d'une tristesse à mourir. Et comment on va s'en sortir de tout ça, je ne sais pas. Il n'y a personne qui est là pour nous, je vous le dis souvent. Il n'y a pas un politicien qui est là pour vous. Donald Trump, qui devait être le sauveur du monde, a mis un pion à la Banque fédérale des États-Unis pour imprimer des trilliards à donner à ses amis de Wall Street. Vraiment, c'est à se demander comment ce système-là tient. Il y a un mystère là-dedans. Soit il y a deux races, les dirigeants qui sont vraiment d'une race supérieure et nous, qui sommes à leur service et qui sommes incapables de réaliser, de penser, de réfléchir. On n'a pas plus de possibilités intellectuelles que les fourmis, les abeilles ou toutes les autres colonies qui travaillent au service de la reine. Hein, les fourmis travaillent au service de la reine, les abeilles travaillent au service de la reine de la ruche. On travaille au service de notre élite. Et c'est comme si on n'avait pas de capacité intellectuelle pour réaliser ce qui se passe. Ou ces gens-là sont d'une race supérieure, je ne sais pas. Mais c'est vraiment, vraiment dérangeant. Je vais avoir vos commentaires là-dessus. J'attends des commentaires de votre part. Parce que c'est tellement gros. Puis il n'y a personne qui parle de ça. Comment ça se fait que tout ça peut être possible? Waouh! Je vous reviens. Je vous reviens avec la Chine qui fait sauter un barrage pour éviter, parce qu'ils sont dans des modèles de déluge depuis des semaines et des semaines. Je vous reviens.